Alors, on est reparti. On est reparti. Let's go. Alors attends. Ah oui, on avait été en bas là, mais c'était pas ça du coup. Comment on fait la map? C'est ça. Ouais, pourtant si, il faut aller en bas. Dust, go there and see if she's safe. I'll be following. If you insist on coming along. Yeah, when Dust starts swinging that. Bah oui, mais il vient pas, ce connard. Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. Oh, I'll find Connard, him. Lui. Then we're going to have a little chat. Un peu un connard, ce mec. That's an in- Oh, you're one to talk. Can your friend even see from under that hat? He can see everything. It's spooky, really. No reason to get defensive. Just trying to help. Please, take a break. I appreciate the offer, but it's going. Ah, Dust! Thank you again for your help. How's your leg doing? I think I'll be all right. Just need some time to think, is all. Is there anything else? It sounds like you've got something on your mind. It's not obvious, eh? Very well. I haven't told Oneida, but I do believe I lost my pocket watch when those giants attacked us. And it's valuable? To me, yes. To the both of us, really. It was a wedding gift from her father. In fact, it's really the only thing we have to remember him by. I think I may have dropped it outside the farm, just before those creatures chased us back here. With my leg the way it is, I'll go take a look. Thank you, Dust. Really. Où la ferme, c'est là. Alors attends, les combats, c'est quoi déjà? Je sais plus me battre déjà. Ah oui, c'est ça, ok. Those monsters really tore the place apart. Hey, Fidget, can you use that sixth sense of yours to find Gian's watch? Yeah, actually. I'm getting something from down that big scary hole in the ground. Why is it always a big scary hole in the ground? I'll have to get back to you on that, Fidget. In the meantime, we should clear it out for Gian and Oneida. Ça on peut toujours pas utiliser.
Ah, si, je peux peut-être le faire passer là-dedans. Ouais. Ah oui. Comment ça, ça va marcher? C'est quoi l'arnaque, là? C'est quoi cette arnaque du cul? Putain de merde. Fallait vraiment que ce soit collé. Oh là là, il y en a encore. Ça va être chaud là. Oh, c'est chiant. Ah, on peut passer là, super. C'est un peu plus simple. Ah mais please, l'expo là. Cette merde. Il est un peu chiant lui à me dire. Il était le portrait élevé. Heureusement qu'on est en élevé parce qu'ils sont moches déjà. Alors attends. Putain, on peut pas virer ces trucs là. Oh, fait chier. Lui, il nous dit tout le temps voilà, descendre. Bah, je le sais qu'il faut descendre, mec. Ah, il y a des... Okay. Attends, il faut le faire monter où après? Pourquoi il s'est déclenché tout à l'heure?
Ok, on a trouvé l'objet. Pas remonter là, c'est chiant. Tant pis, on remonte à patte. Oh là là. Il y a tant de latence entre le moment où tu tombes et tu peux re-sauter. Il faut attendre la fin de l'animation, c'est un peu chiant. Bon alors on est bon. C'est une pierre. Ah, 50% des trésors. Parce que, attends. Parce qu'on pouvait aller avant aussi. On peut aller par là. On va peut-être rater un truc. Bah oui, il le dit, lui. Ouais, bon, bref. On a des clés, je crois. Ouais. Ok. Clairière, il manquait pouvoir hein, pour s'approcher. Et là, c'est quoi? Valéolière. Yo, petit Sleepos! Ça va, Mento? Very good, thank you, my friend. What about you? Oh my, you really should have saved first. Bloms, deadly creatures. Keep your distance. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at them. Okay. C'est quoi ça? Week-end, ah, moi je reprends dimanche soir. Ah, faut pas s'approcher hein, de ces cons là. C'est exactement ce que je voulais faire. Pas remonter? Comment je remonte? Bon bah je peux pas. Okay. Mercredi soir, ah ouais, c'est plus un week-end là, c'est une semaine. Mais je me fais toujours one-shot par leur coup de pied, c'est incroyable quand même. Ah, c'est vrai qu'on a du feu maintenant. Bon, j'ai pas trop compris leur délire de... Ils sont vulnérables quand ils respirent. En vrai, ils sont tout le temps vulnérables. Ah non, ok, c'est... D'accord, c'est ça... Ouais, c'est... Ah bah tu peux arrêter de brûler? Merci. Bon.
putain, mais j'ai pas de... Ah, mais j'ai pas... J'ai oublié que c'était chiant, ce jeu. J'ai oublié que c'était... Fallait taper pour pouvoir esquiver. C'est ça qu'on est censé faire. Balancer. Ça a l'air d'être l'enfer en difficulté max. Difficulté mal dosée. Bah ouais, bah tu prends un coup de pied, t'es mort. C'est vraiment de la merde. C'est moi qui nul, hein. Hey, are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Let me guess, you're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. I had to hide in here with all those monsters around. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. I come here lots, but there were never any monsters. You'd better go while it's clear out there. I still need to get Mr. Johnny's laundry. I dropped it down there, and I don't want to get in trouble. No, Corbin. You go home. I'll take care of it. Bah oui, je suis un héros, je m'occupe du lunch. Oh, wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now, go on. Hurry back to town. Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? Lul. I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. Ah ouais, on va risquer notre vie pour du linge, c'est trop bien. Oh putain, il y a les machins électriques en plus. Ils sont insupportables aussi. Ouais, puis on... Faut que j'augmente ma défense aussi, peut-être. C'est quoi ça? Well, here's where Corbin drops the basket. Ah, c'est le linge. Might as well return it for him. Do my eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing, nothing. I'm just saying. Wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know. You are positively evil, Fidget. But... Ah, c'est ouf quand même. Non, 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 on n'est pas des... You're no fun, Dust. No fun at all. Toi, je suis sûr que tu l'as mis dessus, mec. Te connaissant. Là-bas à droite.
Si, 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 si. Non, non, il y a rien. Oh là là, faut refaire la route. Relou. Tant heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de phases de plateforme hein, parce que elles sont horribles. Putain, mais sérieux. Mais c'est pas vrai. On tape tout. Well, do you mind? Fedge. Nothing. You are positive. Putain. Ouais, mais là c'est mort. Putain, mais je suis vraiment trop nul. Pas tous les combats. Allez, voilà, mange. Oui. Alors. On a eu 33% des... C'est là qu'on était, hein. On a eu que 33%. C'est quoi cette arnaque, là? Pourquoi elle dit qu'il y a un trésor? Je sais pas où il est. C'est quoi la légende
Piller trésor. C'est donc il n'y a que ici qu'il y a des trésors. Pourquoi je les trouve pas? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Ouais, bien pas de trésor, hein. Je me suis fait entuber. Hein. Ah si, il y a un truc là. Il y a des clés là, comment j'y vais? Donc ça, faut un pouvoir pour passer là, je pense. Pour l'instant, on peut pas. Ou alors on peut ramener le fruit jusque là-haut. Attendez quand même. Ça m'étonnerait qu'on puisse ramener le fruit. Mais j'y crois pas une seconde. Est-ce qu'il traverse? Ah, il traverse! Oh ouais, la baise! Ah, mais on peut monter là? Attends. J'ai peut-être même pas besoin du fruit en vrai. Si on peut monter là direct. Est-ce qu'on a besoin de lui aussi? On a besoin du fruit pour sauter là-haut peut-être. Pour rien ce truc là. Des fois il monte, c'est pas pourquoi. Des fois il monte pas, c'est pas pourquoi. Tout à l'heure il est monté. Hein. Bon attends. On va se faire chier. Hein. Ah mais maintenant il me dit qu'il y a un trésor à droite aussi. Il m'a dit piller. Oh, il se fout de ma gueule le jeu. Il se fout complètement de ma gueule. Non, on peut pas le faire monter là, putain.
Je sais pas. Je sais pas si c'est le... Parce que là, en fait, il repop. Bah ouais. Ah, vas-y, fuck. Allez, on se bat. Casser de là. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Alors, c'est quoi ça? Il me dit qu'il y a un... Il y avait un drapeau là, juste avant, on est d'accord? Bon, vas-y, de toute façon, on doit aller ici. You found it! Oh, this is... Well, we... Yes, well... Thank you, Guillen. Having this pocket watch... C'est quoi ce bruit? Quête terminée, temps perdu. Ah ah! C'est la première quête que je termine. Cinq pots de gnomes. C'est quoi des gnomes? La crique secrète. C'est où la crique secrète? Crique secrète. Je suis pas allé là, si? Ah bah je suis pas allé là! Ouais, non, bon, on aura un pouvoir après pour aller là-dedans, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc on va essayer d'avancer un peu dans le jeu. All right, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type and I didn't report his laundry thievery to the guards. C'est vraiment un enculé, lui, hein. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Pas surely, mega after fan. All that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help it. You know what? I kinda hate this guy. And I would just love to maul his face off. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Exactement. En fait, l'exploration, je la trouve pas ouf parce que... Le fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis, que tu spams comme un gros bourrin, c'est un peu dommage. Par contre, le combat de boss, j'ai bien aimé. Enfin, le boss. Ça. Et puis. Puis voilà. Après. On va voir quoi, en avançant. Bon, si je suis déjà à 20% du jeu. Je suis pas censé aller voir un putain de forgeron, moi. J'ai plein de plans, mais... Ah.
end of the line. Looks... Yes. There's no time to find another route. Those monsters came up through here. There's gotta be a path down below. Well, here goes nothing. Ah. Il y a des sacrés genoux, hein, parce que là, pour amortir la chute. Oh mon dieu. Coucou Elfie. Merci pour le raid, bienvenue à vous. Mais alors, attends, le jeu me dit de pas y aller. Bon appétit à toi. Quelle heure il est? C'est 9h15, mais mon dieu, mais il mange à l'heure des poules. Fidget, you need to calm down. I thought you said tu as mangé ta petite soupe avec ta biscotte. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. C'est vrai qu'on n'a pas peur du noir. Non, c'est quoi, c'est... on n'a pas peur d'être seul dans le noir. I don't see anything, Fidget. On a peur de pas être seul dans le noir. How could you possibly see anything in here with that big hat over your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. I thought you were afraid of heights. Et puis il y a trop de dialogue aussi dans ce jeu. Oh, hush. Donc ouais, j'ai pas compris. Attends, il nous dit de pas y aller. Heureusement que j'en ai rien à foutre, quoi, et que j'ai sauté. Mais sinon, tu fais quoi? Tu fais demi-tour et puis tu te promènes. Un peu bizarre. Mais bon, j'ai hâte de voir le deuxième boss quand même. À chapitre 2 carrément. C'est un peu bizarre le découpage quand même. C'est bizarre d'avoir des chapitres dans un monde un peu ouvert comme ça. C'est pas bien grave. Comment ça? Mur dessus, machin. Après, ouais, les décors sont moyen inspirés, je trouve. Le design du personnage principal est pas mal. Guacamele, je l'ai. C'est vrai que j'ai vu It's getting really hard to see. I'm starting to regret coming down here. J'ai vu quelqu'un y jouer il y a pas très longtemps et j'avais fait... Ah ouais, ça a l'air pas mal en vrai. Oh, c'est joli en vrai. Je retire ce que j'ai dit. C'est joli. This is beautiful. Je pense que c'était Aerostar qui jouait. Our search has not been in vain. Let's clear this area. C'est un pote ça ou... Où il veut me faire le cul? Non, il voulait... Mais ils sont 50! En fait, le problème, il n'y a pas trop le... Ils attaquent, on compte, on part, on machin, c'est tu bourrines avant qu'ils te tapent, quoi. Du coup, t'as pas trop ces esquives, tout ça, à utiliser. Un peu dommage. Ah. Est-ce qu'on...
On augmente la défense. J'ai envie de dire oui. Ouais, du coup, tu vois même pas de leurs attaques aux mobs, c'est un peu dommage. C'est un jeu qui manque de peaufinement. Peaufination. Y'a moi ça ce bordel, on comprend rien. Tu as fait que le 1, le 2, tu sais pas ce qu'il vaut, mais tu crois qu'il est cool. Ok. On peut aller là-haut. On va aller là-haut d'abord parce qu'il doit avoir un coffre là-haut. Non ? Pas un coffre. Ah si, il y a un truc trop beau, on a vu, hein. Non ? You've been poisoned. When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. I can probably just wait it out. Stop pretending, you're so tough. Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can... Mais putain, mais nique ta mère. J'ai... Elle m'a pas donné de champignons. J'avais sauvegardé en haut, hein. Ouais. En gros, faut pas se faire toucher dans le jeu. Mais... Il doit me manquer soit un double saut, soit un délire. Soit une technique, j'ai pas compris l'histoire de ça là, qui permet de voler un peu. Bravo, espèce de nulos. C'est dommage que ce soit toujours les mêmes choses aussi, les coffres. Enfin, les serrures. Là, y'a quoi? Faut pas tomber? Ah non. Si on comprend ce qui se passe, mais c'est le bordel, quoi. Ah, il y a une clé, là. On l'a vu, hein. Mais du coup, je sais pas comment faut faire. Faut y aller. Oh, bordel. Comment on fait, bordel de cul? Est-ce qu'on aura un deuxième saut, après? Tu peux me spoiler? Ah, c'est peut-être comme ça. Si on fait ça, et après on dash. Si je fais ça, et je dash. Voilà, pas besoin de me spoiler, c'est bon. Je suis trop fort, c'est tout. Bah, je serais tombé, ça aurait été plus vite, non? Il est insupportable à faire son truc, là.
Je ne me souviens même plus des différents pouvoirs. À chaque fois, il te précise, mais je le sais que je peux descendre des plateformes. Arrête de me le dire. Putain, c'est insupportable. Ça, c'est pour revenir, je pense, à la fin. Tu redécouvres le jeu. Attends, mais pourquoi on peut monter, là? Je ne sais pas. Lui, il était pas là tout à l'heure, si? Oh, ils étaient pas là tout à l'heure, si? Bien, faut y crever. Là, il y a plein de clés. Je pourrais pas y aller, je pense. J'ai pas trop compris non plus pourquoi des fois le fruit se déclenche et des fois non. Viens là. Ça, c'est good. Alors, on va essayer d'avancer parce que je veux voir des boss, moi. C'est ce qui est le plus intéressant. Ah, bah voilà. Dust, wait. This creature is too well defended for a straightforward assault. We'll see about that. Ah, okay, that was a bad idea. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. Oh, mais les parades, c'est horrible. He went down. Dust, would you like a refresher on parrying? Very well. Oh, ça va être un plaisir, là. Ça va être un plaisir, les gars. Remets du fail en série. Dust. This creature. Oh non, mais il va faire le tuto à chaque fois en plus, mais ça va être insupportable. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut se casser de là? Et... He went down. Dust, oh non. Would you like attack? Timing is crucial. A successful parry may... You will be Alors attends, est-ce que je peux me casser et sauvegarder? Peut-être que oui. C'est ça, après, faut que je vois ça aussi. Après, c'est peut-être pas un boss, lui. Bah voilà, on l'a battu. On est bon. On est exceptionnel. Mmh.
On est vraiment trop fort. Comment je change le... Ah, c'est ça. Bon, du coup, je pense que c'était pas un boss, c'était juste un nouveau gros méchant, comme les gros titans, là, qu'on a déjà battu. Et on va en recroiser plus tard. Voilà, j'ai triché, mais sans faire exprès, donc... on m'en voudra pas. C'est quoi ce truc? Whoa, what was that? I'm not sure, but it sure did run off... Désolé. Non, ces combats-là, ils ont vraiment aucun intérêt. Pour faire des explosions à l'écran et des machins chwing-chwing. Aucun intérêt. Le level design n'est pas... ouais, pas dingue. Des jeux qui ont 10 ans et qui étaient très, qui ont un bon level design, hein. ça n'empêche pas, y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Je pense que Castlevania ça a 30 ans. Metroid Prime, ça doit avoir 50 ans. Alors attends. D'ailleurs, je ferais bien le Metroid qui est sorti sur Switch là. En émulation. J'ai jamais vu leur attaque à eux. Je sais même pas s'ils en ont une. Non, on pouvait aller en bas. Hein. Bon, rien. Au moins, on pouvait descendre. Ah bah oui, il y a un coffre. Super. Est-ce qu'on va trouver le... le forgeron un jour? J'ai jamais testé Metroid ni Castlevania, moi non plus, mais je sais que c'est des très bons jeux. D'ailleurs, j'ai récupéré un Castlevania, je crois, Symphony of the Night, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi. Un 3D. Vas-y, je vais pas tuer tout le monde, ça sert à rien. En plus, il repop tous les 3 secondes, les machins, donc... aucun intérêt. Juste les fumer. Allez, go la suite.
Bah, ils font plus peur que, qu'autre chose, eux. Ils sont assez lents. Tu découvriras si je les stream. Oh, d'accord. Fait plaisir. Wait. Oh, Champy Boy. Après, je pense là que je ferai les premiers Castlevania, ceux en 2D et tout ça. Après, je sais pas, ça tombe aussi, hein, j'en sais rien. Un peu perdu dans le level design. Bon bah, ils attaquent. Hein. Oh là là. Oh putain de merde, je m'en doutais. Un milliard, hein, putain de merde. Oh là là. C'est fait exprès, c'est pour remonter plus vite. Ça y est, il faut que de m'attaquer maintenant. Avant, il m'attaquait jamais. Qu'est-ce qui leur arrive? Comment ça, pas moyen de s'échapper? C'est bon. Oh merde! Bon. Alors attends. Ce truc, je comprends pas. D'ailleurs, c'était quoi ce champion? Je m'en souviens pas. Champignon bleu. Ah oh, bah c'est juste... ok, la santé. Comment on switch? Mais non, mais nique ta mère! Pardon. Pas d'accord de du tout. Stop. Oh là là, faut taper ça à chaque fois, mais putain, mais c'est insupportable.
c'est des sacs à PV, ces connards. Ah, nice. On va pouvoir tester lui, du coup. Voilà. Donc, normalement, il faut taper quand lui, il attaque. Alors, c'est débile comme système. Ah ouais, ok, bah, faut connaître ses attaques aussi. Donc, il a une estoc. Allez. Allez, attaque. Il est sous ma gueule, en fait. Oh, j'ai déjà buté. Je suis au point trop fort. Mais là, on peut pas monter avec le truc. Ah, mais c'est immense en fait. Vous allez crever, bordel! Attends. C'est bon? Eh bien. En plus, ça leur fait zéro dégâts cette merde en vrai. Juste ça nettoie un peu, mais. Encore de la défense, ouais, je crois qu'il faut. Il faut. Allez, attaque! Change de... On peut pas, c'est ça qui est chiant. C'est qu'on est obligé d'aller dans ce menu là pour switcher. Peut-être dû descendre tout à l'heure en dessous du carré jaune. Tant pis.
comment ça il m'a tapé. Il m'a... En plus avec du poison de merde. Ah, ça nous met pas... Ça nous tue pas. Ça nous met à 1 PV. C'est bien s'il attend là. Ça. Salus. Lui il avait pris les coups. Pourquoi il avait pris les coups ce con là? Je sais pas. Oh non, on est retombé là. Attends. Ah, on est au truc jaune là. Vas-y, on va essayer de descendre. Pour voir ce qu'il y a en bas. C'est vrai qu'on était mort là-dessus tout à l'heure. So, you have slain the one known as Fuse. I had no choice. He'd lost his mind. I am not judging, friend. Forgive me for asking. The Moonbloods. They are an ancient race, and their presence is not. I understand. I believe you do not, my friend. Oh, il a des makis. Oh, j'ai envie de manger des. J'ai envie de manger japonais. Mais c'est tellement cher. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Quoi? Mais y a rien de bien intéressant. Hein. Your trend. C'est où que je dois aller, bordel? Ah mais j'avais fait... Ça doit rejoindre là du coup. Je dois tout retaper, mais sérieux. Allez! Mais putain, mais c'est une attaque ça, c'est tellement lent. Oh là là. J'en... Oui, on peut pas plus.
On découpe des cubes. Ah tiens là, Rigo. En vrai, je sais pas pourquoi je rajoute de défense, je suis ultra nul en défense. C'est tellement lent, putain, que c'est horrible. Oh là là. On sent que je m'amuse pas ou pas. Ah putain. Quand tu veux, mec. Je peux me casser en vrai. Je suis pas obligé de le taper. Hein. Après, ça fait de l'XP de le taper. Ah, je suis pas mort. Putain de ta race, la limace. Je pense qu'il faut pas faire les flammes, c'est pas assez puissant. Tu perds trop de temps en vrai. Elle est beaucoup plus puissante. Mais tu sais quoi, on va encore augmenter les dégâts. Ouais. Allez, quelque chose. Putain, mais... On dirait même pas une attaque. C'est insupportable. Il faut tout recommencer parce que c'est putain de jeu de merde. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là. J'en ai marre. J'étais pas full life. Comment c'est possible?
plus, j'étais pas full d'aller. Allez, ne meurs pas. Fais pas le con, le jeu. Comment on peut le taper? Ah, j'en ai marre. On peut le taper dans le dos, en vrai. Allez, je fais du boudin. Je sais pas. Mais putain, mais dis ta mère! Oh là là. Très vite avant qu'ils balancent leur truc électrique là des enfers.
pas prendre de risques avec leur poison de merde. Putain, mais arrête de spammer, connard. Ah! Putain, on avance enfin! Il était temps. Quoi ça? There he goes. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. One. Bon. Merde, faut attendre. Ça tente plus avoir de poison. Si un jour, c'est possible. Bah oui, mais on sait pas qui est qui, quoi, Marie-Ange. Mardi. J'ai moyen envie d'aller par là. On va y passer par en dessous, c'est l'air plus simple. Attends. En bas, il y avait un passage. Par là, non? J'adore cette prise de catch. Comment je fais pour aller là? Vous pouvez pas y aller. Non. C'est pour nous faire quoi? Fuck. Cette lourde noix est considérée comme un mets rare et délicat. Je vois pourquoi il me filait seul. Bon, faut éviter ces merdes là. Comment ça, il me touche, connard? Ah mais attends, le bleu ça soigne. C'est quoi ce délire du cul là? Ouais, claquer.
Dash parfait. J'adore. Ah, ce bonheur d'avoir un personnage qui continue, qui glisse quand tu t'arrêtes, c'est incroyable. Et qui, pas forcément, hein. Quand t'as pas beaucoup de vitesse, il s'arrête direct. Quand t'as beaucoup de vitesse, il glisse. Et un petit slide de famille. Voilà, comme ça. Impeccable. Juste ce qu'il faut pour te baiser. Oh, ça va être chiant ce passage. Ça va être très chiant. Ouais, ma patience. J'ai envie que ça aille vite. Oh, je suis pas d'accord, mais on va dire que je suis d'accord. On sait pas où faut aller. Et nanani et nanana. Et patati et patata. Ça va? Tous les jets ne sont pas pareils, c'est ça qui est incroyable. Des jets plus ou moins larges. Oh, allez, mais là je suis passé, on est... Pourquoi les petits... Pourquoi des fois c'est les gros, des fois c'est les petits... Oh là là. Oh, ce passage des enfers. Un jet qui passe, l'autre qui passe pas, parce qu'il y a des particules qui vont un peu plus loin des fois. C'est incroyable. Niveau arnaque, on est à quel niveau là? Niveau 99, non? Ouais, mais c'est impossible, c'est impossible. Le dash qui va à 20 km. Bah ouais, mais... Mais lui, il est en... Oh là là, ça y est, c'est fait l'artifice. Putain. Oh là là. C'est exactement ce que je voulais faire. Oh!
Waouh. Horrible passage. Sans rien de se soigner en plus. On va récupérer le bonus qu'on voyait de l'autre côté là. On va récupérer ou pas? Je crois. Je vais récupérer une idée. Certainement. Non, mais pas mal. Je peux plus. Ok. There he is. Look, he's in trouble. Ah, leave me alone. Picking on little ones, huh? You will keep wary of the bubble sprouts, Dust. Or this battle will be over before it begins. Wow, bah oui. C'est quoi cette merde? Oh, tu es violé dans une cave par 60 personnes. Ok. Oh. C'est pas possible. Ah mais c'est bloqué. Faut tuer les deux, ok. Absolument tuer les deux. Oh bah vas-y, passe au travers, y'a pas de problème. C'est une cinématique. There he is. Ah. Picking on... Ça, y'a pas du tout de RNG. Oh mon dieu. There he is. Ah. Picking on little... Allez, tape. Mais oui, mais non, mais putain, on voit même pas le truc derrière lui. Oh, c'est nul, putain. Comment je... Non mais ça rend 0 HP aussi cette merde. Putain c'est ouf. Non mais on est dans 20 mètres carrés, il y a deux géants et des machins de merde que... Wow, heureusement qu'il y a la cinématique, hein, j'étais mort encore une fois là. And then... Come now, Dust, he's obviously...
Le joli mouton. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Let's hop on over. On peut pas les tuer, les moutons. Putain, mais... Ça va être immense, hein. There he is. Il a retrouvé sa meuf. Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, mama. Goodness, what would I do if you've gotten yourself hurt? Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers! She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Back, you beast! I got this here spoon and I ain't afraid to use it! We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bobo? Bobo! Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here. I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Wait! That's enough, Bopo! You ought to get back to your chores before I take out the spoon again! Mama, I've seen them fight! They even got themselves a talking sword! I bet they could help! Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out! I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Oh, c'est calmé direct. Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that! I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too! Mama! I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up. But every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Thanks? So... You're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Enfin. Où c'est qui ça? Oh,
What? Me? It's a flying cat! She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dolt. I'm a Nimbat. Is that what you're called? A Nimbat? Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Just do something! It's trying to grab me with its little child hands! Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Hey! Oh, I want her! She talks! I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look! That must be Reed's box! What do you want? Tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew, good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Yeah, maybe he can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Yeah, wait! Bon. Oh là là, mais il y a combien de personnes? Je vais encore avoir 1 million de quêtes. Oh, cimetière. Oh, bordel de cul. Je vais spammer les dialogues, hein. Well, good. How does anyone... I hear the two of you are... Excuse me, my friends. Did you lose some? Actually, I did. I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. I'll keep my eyes open. Well, thank you, son. There's six of them out there somewhere. Believe... Il veut les moutons, quoi. Hello, dear. I'm going to have... I stand up. Well, it's been years since I've seen someone like you. We don't like flying into caves. You know... I'm sorry. Look at me going on. My name is Flo. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having... I could always help you find some of... Oh, I couldn't bother you for some... It's no trouble, really. Well, aren't you a sweet one? In fact, take this ring. It'll provide a little... Merci bien. Je peux en avoir deux ou pas? Bah voilà! Parfait. Du coup, niveau, là, personnage. Oh, il y a un mouton noir. Ça c'est drôle en vrai. Ok Ben. C'est très drôle. Merde, il y avait quoi là? Oh putain de bordel de merde, les sauts sont vraiment à chier dans ce jeu. Ah ouais. Un truc... Une
graines là. Il y a un mouton aussi là. Quand est-ce que je vais l'avoir ce putain de pouvoir là pour ramper? Well, hello there, big. What the heck is? Quiet, Fidget. And yes. Well, yeah, but I don't think you're gonna fit through this here hole in the wall. We had to. What the heck? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through my. I appreciate the thoughts, but I'll find another way around. Here, boy, take this red resonance jam. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better way down there. Wait, your underground cave has a base? Hey, big fella, what do you say to me serving your flying? You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement, and I'm honestly just too gale. If I should come across your hitting stick. Je vais apprendre à glisser. Pas passer là. Non. Oh mais il est insupportable à faire ce gling-gling là. Ça me rend ouf. Attends. Oh, je peux pas monter là. So, I had no ch- I am not judging, friend. Forgive me. The moon. I understand. I believe you. C'est abusé que ça soigne pas cette merde. Hein. Ah bah oui, bah évidemment que je me manque pas le dessus comme. C'était risqué de partir vraiment clair comme ça. Oh mais c'est... Putain mais on en a pas besoin de ces trucs de merde. GG sauve, merci. Putain. On a jamais de soin en plus là. Non mais les dashs sont tellement grands. Mais champi plus pique. Bonheur. On va passer un bon moment. On va passer un très bon moment. Ah.
Bon, on n'a pas le choix. Hein. Quoi ? Toujours pas la glissade. Là, je vais au pif, hein. Allez. Ok. Tout va bien. Mais c'est... Ah, c'est vraiment horrible. Putain. Cette injustice. Mais ouais, mais il y a les deux couleurs là, on sait pas quoi. C'était chaud. J'ai eu peur. Bon. Non, mais c'est vraiment de la crosse de base, ces trucs-là. Je suis pas mort. Je suis trop fort. Ils sont horribles, les passages de plateforme. Oula, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est bizarre qu'il n'y ait pas de combat. C'est étrangement bizarre. Tellement imprécis les sauts. Putain, ce truc qui me fait tididite à chaque fois là. C'est la première fois que je vois qu'on peut modifier la tâche pour un jeu comme ça. Hey dude. Putain, mais ta gueule! Je sais que je peux descendre. Putain. Il me rend ouf. Ça y est, je peux mettre des tacles. Je peux tacler. Oh, j'ai raté un coffre à gauche. Ah oui, il fallait aller en haut. Attends. Non, attends.
Putain de bordel de cul de merde. Oh, j'en peux plus. Oh là là, mais je dois tout retaper. Bordel de merde, fais chier le cul. C'était là ou pas? Ah oui, il y avait un truc là, ok. C'est là le coffre qu'on n'a pas. On va trouver. En même temps, est-ce que ça me sert à quelque chose de trouver de ces putains de coffres? Je pense pas. Parce qu'on n'a absolument rien à foutre. Putain, comme si ça pouvait pas sauvegarder là, c'est incroyable. Faut que c'est ici. Non, c'est ici. On était. Ok. Il me dit qu'il y a un coffre. Moi je le crois. Il est où ton coffre? Bah là. Nice. Donc ouais, non, c'est cool les coffres parce qu'il y a du soin. Il y a du soin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oh là là, mais l'imprécision. Enfin, c'est pas que c'est imprécis, c'est que dès que tu te retournes, ton personnage se déplace. Il fait pas juste un demi-tour. Tout va bien. Oh mais putain, mais... Espèce de crevette grise. Oh bah super, tous les bretzels que j'ai récupérés, je les ai bouffés pour de la merde. Trop bien. Trop bien. En fait, c'est dur de... C'est quasiment impossible même de corriger un saut s'il est pas bien dès le départ. Comment je fais pour aller là? Si je fais ça, bah c'est bon. Ah là là, raté. On a un méga trésor, donc celui-là on le veut. C'est pas là. Déjà, c'est là, forcément. C'est ici. Ah, c'est là, je crois. Yes. J'ai jamais joué à ça, à Spelunky. Ça sert à ça, c'est tout. Bon. Yeah.
Allez, sauvegarde. C'est hard comme jeu. Oh non, mais là, le viol du cul, ok, ok, ça va être chiant. C'est horrible ce passage. Mais putain, mais ta grand-mère. Oh là là. Oh là. C'est dégueulasse. Putain. Oh là là. Même Céleste, c'est moins dur. Mais là, je pourrais pas aller de toute façon à droite. Je pense qu'il faut le pouvoir de. Je sais pas quoi. De grimper. Grimpette. Voilà, voilà. C'est absolument ignoble. Mais putain, mais j'ai sauté. Mais comme l'animation n'est pas terminée, ça saute pas. Oh là là, puis je repars à quel, combien de kilomètres. Mais ça c'est dégueulasse. Oh, c'est vraiment juste ce jeu. Bah c'était où le... Attends, ça... Ah, j'ai vu sur la map qu'il y avait... Non, c'était là. Sur la map, c'était bugué, ouais, il y avait les trésors qui n'avaient pas disparu. Ok, c'est passé. Grosse kill, grosse kill. Nice. Je veux dire qu'il va falloir revenir ici hein, si on veut le tous les coffres. Bah, ouais. Incroyable. Comment je vais là? Ah mais il y a juste à péter ça. Boy, this is a map. Tell you what, I'll beat up some. Bring me their devilish little fingers. Four of them. No, 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 40. How about I gather four Trollk fingers? Ah. Waouh, 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 mais c'est interminable. C'est immense. C'est immense du cul. Ah attends, il y avait un truc en bas. Oh, il est tellement loin. Je sais pas si on peut le ramener d'aussi loin. On va essayer. Attends, c'était où? Il est où le fruit machin là?
Ah merde! C'était pas là? C'est plus loin que ça. C'était où? Non, mais c'était pas là-bas, si. C'est où le fruit? Non, vas-y, c'est trop loin, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. J'ai l'impression que tous les jeux indés sont hard, de toute façon. C'est un peu le... la marque de fabrique. Il faut de la souffrance. Là. Et quoi à gauche? Oh là, il y avait une clé, on l'avait récupéré. C'était où le putain de mouton? C'était avant ça alors. C'était là-bas, tout à droite. Rapide de se dépasser comme ça. Bon. On descend en bas. Voilà la surface aussi. Hein. Ah non, la surface c'est pour se barrer, je crois, du niveau. Bah allez, explore. C'est parti. On va ramener des doigts. Ramener des wets. On sait qu'il y a au moins un pouvoir encore à récupérer, c'est-à-dire le truc pour grimper là. Le truc pour se coller aux liens. Ouais.
Ça donne faim de voir tous ces trucs là. Il y a plein de pendentifs. x 0,1 attaque. Ça divise par 10 l'attaque ? Qui voudrait porter ça, c'est clair ? Plus 1 régène, plus 60 attaques. C'est pas mal de chiant. Your transact. Pas mal, pas mal. Not bad. Ah, il y a peut-être moyen. Pas du tout. Oh, attends. Non, faut l'emmener en haut. Oh mais quel connard! C'est plaisir de voir ces putains de fontaines là. Ok. Et ça, je sais pas comment on la récupère la clé. Comment on chope la petite clé? Je pense qu'il faut qu'il y ait des ennemis. Ouais, ça doit être ça. Quitter le tableau et revenir. Vas-y, tape-moi! Croque-moi les fesses! J'ai jamais réussi à aller au max. Bah ouais, mais aussi là, putain. Des fois ça monte, des fois ça monte pas, on comprend rien. Bon bah tant pis. La clé restera là pour l'instant. Peut-être qu'on aura un double saut, hein, ça tombe. Merde, bordel de cul! On n'est pas en déj de clé. C'est pas bien grave. Oh bordel.
santé elle remonte, je crois. Pas sans mon pendentif. Enfin, vous pouvez monter en haut. Enfin, on peut pas monter en bas, mais. Bon, bref, j'ai pas envie de retourner en arrière. Bah, c'est léger, hein, la vie qui remonte. C'est très léger. Quoi ce bordel là? Ah, ça y est, on peut augmenter de nouveau la puissance. C'est quoi cette merde là? Voilà. Je m'en doutais un peu, hein, mais. Faire être sûr. Mais oh là 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 là, le. Il y a des shops à tous les coins de rue. Surtout pour rien. Moi je pense qu'on est censé... On est censé acheter des... Des soins, je pense. J'ai cru voir un truc, mais non. Oui, mais non. Aha ! Ça progresse. Ça, c'est génial. Ça tue les connards. Alors par contre, attends, comment je vais là? On est là du coup. Voilà, tout simplement. Ah! Je défonce les grosses là.
fume le cul. Bon, ça c'est fait. Oh putain, mais pourquoi j'ai cru que ça s'arrêtait? Alors que ça s'arrêtait pas. Est-ce qu'on peut passer par en bas? Non, je pense pas. Putain, bordel de cul. Je check la santé, voir si ça remonte tout seul ou pas. J'ai pas l'impression. Ah bah ça sert vachement à rien. Oh! C'est quoi cette singerie là? Ah. Putain mais ta gueule, je sais que je peux descendre, bordel! Putain mais c'est... C'est quoi ça? Vous avez pas parlé des champignons rouges à un moment? Ça. Non. Bravo. Ça fait faire quoi là? Que j'ai une bague qui m'éclaire. Attends, j'avais pas regardé là. Ça. Wow. Alors attends, je comprends pas trop ce qu'il faut faire ici. On est allé à droite, on va essayer d'aller à gauche maintenant. Ouais, c'est ça. C'était donc ça. Et il y a encore un secret. Bravo. Il y a encore un secret, il y a encore un secret.
Ouais, on peut monter encore. Non. Ah, boum. Oh là là. Mais quel... Quel petit galopin. Merde. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de crever tout le temps. Connard. Et on recommence. Donc ouais, je pense que les fruits, c'est pour avoir un peu de lumière. C'est juste pour ça. Ça claire un petit peu mieux que la bague. Le problème, c'est que ça explose sur les picots. Ah, le coffre, ça sauvegarde quand même? Attends. Ah non, il est là. Non, ça sauvegarde pas, évidemment. Bravo. C'est quoi ça? Mousse rouge. Ah, c'est pour la quête. Bon bah voilà. On a tout trouvé, on est content. On est content. Et on peut sauvegarder. Bon bah ça sent le boss hein, tout ça bientôt, non? C'est joli. Trop bien.
Ah, ça fonctionne. Bah voilà. C'est suffisait de... décocher, recocher. Les ordinateurs. Ah, je me suis trompé de bouton. J'ai fait triangle au lieu de carré. Ça va, y a pas trop de route. Allez, go. En vrai, la fenêtre de parade, elle est large. On est où, là? C'est débile que le l'affichage des combos se mette à la place de la map. On comprend pas pourquoi. Comme s'il n'y avait pas assez de place sur l'écran pour tout afficher. Pourquoi ils se suicident tous là? Sur Oolong, le premier boss a été nerf. Bah oui, évidemment. Et quand même que tu arrives niveau 20 au lieu du niveau 10 sur le premier boss. Bah, tu sais, le bonus de... je sais plus comment ils appellent ça. Trop de temps de chasse, bah oui. Non, mais après, il était pas équilibré. On est sur un premier boss d'un tuto. Non. Je suis pas d'accord. Ou alors, tu le fasses comme dans Sekiro ou dans plein d'autres jeux où tu meurs et c'est pas grave, tu continues le jeu. Non, là. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on aime bien ça, la difficulté. Mais pour des joueurs lambda, ça donne pas envie du tout. Il y a des gens qui ont envie de se détendre aussi quand ils jouent un jeu. Pas se détendre non plus, mais voilà. Que ce soit progressif. Merde, bordel de cul! Oh là là, la plateforme dans ce jeu. Oui, tu sais que tu vas crever, mais... mais il était dur, quoi, avec deux phases. Avec beaucoup, beaucoup de PV. Fallait réussir, je sais pas, peut-être 20 esquives parfaites pour le tuer. Enfin, c'est beaucoup. C'est pas nécessaire d'en arriver là, je pense. Oh merde, on aurait dit qu'il y avait une petite plateforme. Hein. Après, moi j'aurais bien aimé que ce soit comme dans Sekiro en fait, où tu peux mourir et ça passe quand même à la suite. Mais si tu le bats, t'as un bonus, t'as quelque chose en plus. Ça, je trouve ça cool comme concept. Et qu'on te le propose, qu'on te dise. J'ai vraiment abandonné le combat. Espèce de tapette. Merde, c'est où? Comment on remonte? On peut pas? On peut passer au-dessus là.
comment je fais? Là, je peux pas monter. Après, oui. Si les développeurs ont décidé que c'était comme ça, ils devraient assumer leur choix et puis c'est tout. Hein. Normalement. On va monter avec lui. Non. Excerpt pour avoir finir le jeu du coup. Je suis pas sûr qu'ils se remettent dessus, tu vois. Vraiment quand t'as été blasé d'un jeu comme ça. Je sais pas. Pas le col d'ici le machin. Mais... pas sûr que... je pense qu'il faut qu'il y ait les ennemis pour le faire. S'il y a des ennemis, on peut remonter normalement. Non? Ouais, voilà. Oh, je suis trop fort. C'est étonnant, mais non, lui, il est habitué à ce genre. Ouais, mais généralement, dans les jeux, c'est plus progressif quand même. Hein. Tu te fais pas poutrer par le premier boss venu. I am here to serve. T'as rien de neuf, mec? Non. Yoridix. Comment est-ce ta? Bon, bah, on est arrivé au drapeau, hein. On va voir. S'il y a un boss... ah oui, un boss. Bon bah voilà. On bat le boss et puis voilà. Nickel, merci. Ah non, on n'est pas censé la fighter, on est censé lui poser des questions. Be careful, Dust. I do not believe she's you. I meant no disrespect. I am Lady Tethys, and you will refer to me as such. Okay, Dust. Maybe you should die. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but you're healing. You, a surface dweller, would dare to question my actions. Who do you think you are? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land, surface dweller. A creature like me? You mean... he leads a great army across these lands. Et ça veut dire surtout que si on meurt contre elle, on serait à tout le dialogue là. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will... if their deaths are required to save this world, that is a sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths. Je suis d'accord avec elle. Prepare yourself. I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died. So be it, surface dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters. Ouh, elle est pas contente. Ça, ça me rappelle un combat de... de le mec. Oh, ça va être dur. Oh mais putain, mais je vais... ah, les piques, les piques, les piques, les piques, les piques, les piques... ah non, non, faut descendre. C'est quoi, là? Ah ouais, tu crois que je vais en chier, Mento? Merde. Non mais sérieux, si je dois retaper le dialogue à chaque fois, ça va être horrible.
I am done. Non mais cette blague. I meant no... C'est incroyable. Lady, you. I would quest... Est-ce que je peux remonter? Non, je pense pas, il y a des trucs rouges sur les côtés. Oh. Ouais. Elle met au quasi one shot la pute. Oh, ça va être chiant. Ça va être très chiant de retaper le dialogue à chaque fois. Ah, y a pas moyen d'esquiver ça. C'est pas avancer auto. Ouais, mais ça change rien. Lady Ted, you. I would question. I. A creature. He lead. But you want. If that. I. Il faut peut-être tenter des contres contre elle. Contre elle. I have seen. Le. Putain, mais je vais me bouffer tout le temps ces putains de trucs. Bah ouais, mais évidemment. J'adore. Je vais ramener un fruit du démon. Oh merde. Je vais pas aller sûr. Ah, on peut gagner un niveau avant le combat, ça peut être pas mal ça. Ça c'est pas mal. Petit niveau supplémentaire. En vrai, on lui fait mal quand on la tape avec avec le dos de la cuillère. Who? I am done. You would be careful. I meant no. Okay, lady. Bon, je fais quelques travaux. Si je vois que ça va être trop dur, je ferai demain. He leads. But you are. If that. Alors, je suis pas d'accord du tout. Je suis en plein dash. Je vais essayer de le contrer son attaque là. De la contrer, même, parce que c'est une femelle, une attaque. Oh mon dieu. I am dust. You would be careful, dust. I meant no. Allez. Okay, dust. Lady, you. I would question. I. A creature. He leads. But you are. If that. I have seen. Elle abusait un peu son attaque, non? Commencer derrière et faire tout le tour. Casse-toi de là, putain! C'est pas vrai.
les pics, c'était pas nécessaire. Who I am Dust. You would be careful. I meant no. I okay, Dust. Lady T. You. I would quest. I. Il a chuté nous par Adix. But you are. If that. I have seen. Je comprends pas pourquoi des fois ça me one shot et des fois non. Et pourquoi ça? Oh, ça va être très chiant. Who I am Dust. You would be careful. Oh, c'est insupportable. Okay, Dust. Lady. You. I would quest. I. A creature. He leaves. But you would. If that. I have seen. Je suis où, putain, on voit rien. En plus, j'ai pas de soin. Je ferai demain. Je ferai demain, là ça va me saouler. On verra ça demain. Mais ça va être très chiant en tout cas. J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain que ça va être casse-couille. Bonjour Pum Pum. Je t'ai vu. Vu. Ça promet d'être casse-couille, comme... Je vous renvoie chez Valfi. Boum. Le boomerang. Allez, coco, pissou. Salut Tipeee, merci pour le retour d'ascenseur du coup. Comment vas-tu? Est-ce que ton live s'est bien passé qui était sur Dust and Asian Tail, si je me souviens bien? Il est cool comme jeu d'ailleurs. Horrible!